D'azur à la Vierge de Carnation, vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau du champ, assise sur un trône antique d'or, tenant l'enfant Jésus, aussi de Carnation, vêtue d'azur, le tout surmonté des lettres A et M onciales, d'argent et soutenu en pointe d'un écusson du même chargé d'un tourteau de gueules, au chef de gueules chargé de trois abeilles d'or. Hé les érudits, aujourd'hui je vais vous faire découvrir Montpellier. Cette ville se situe au sud de la France, dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. Les habitants sont appelés les Montpelliérains et les Montpelliéraines. Les archéologues n'ont découvert qu'un seul lieu ayant été occupé par les humains, il y a plus de 11 500 ans, près du Verdançon. Grâce à des fouilles réalisées rue de la Fontaine du Pilat en 2006, des chasseurs auraient installé leur campement. Charles Martel détruit le site de Maguelone en 737, ce qui entraîne le déplacement de l'évêché à Substantion, qui est l'actuel Castelnau-les-Lez. Site construit sur deux mamelons, les collines du Mas du Diable et de Lagardy. Grâce à l'accord de liberté d'établissement des Carolingiens, les Wisigoths exilés d'Espagne s'y installent. Valfère est à la base une vallée sauvage qui est déchiffrée au 8e siècle et a donné son nom à une rue de Montpellier. Les premières traces d'aménagement d'un village apparaissent dans les années 1040, ce qui fait de Montpellier une ville neuve et ne possède pas d'évêché. Elle dépend donc de l'évêché de Maguelone et des comtes de Melgueil. La population se décline sur plusieurs sites selon les textes antiques. D'abord la colline de Montpellier, ensuite le village Saint-Firmin près du site castral, la villa de l'évêque de Maguelone sur la colline de Montpelliéré à l'est et le puits Arquinel à l'ouest. La cité connaît un important développement économique et culturel puisqu'elle est située proche de la Via Domitia, voie située entre l'Espagne et l'Italie. Attirant les doreurs, les orfèvres, les drapiers et les changeurs, elle devient un centre d'échange entre le nord de l'Europe, l'Espagne et le bassin méditerranéen au cours des XIIe et XIIIe siècles. Voici l'exemple de Elisabeth Coste, qui est une marchande de drapières française célèbre. Née en 1748, elle aurait participé à l'affaire dite des galettes pendant la Révolution française. En effet, lors de la famine qui sévit dans la région, Elisabeth Coste fabrique des galettes malgré l'interdiction de conserver de la farine chez soi. Elle sera alors guillotinée le 8 avril 1794 à Montpellier. La ville ne possède que deux ports fluviaux, à même la cité avec le port Juvénal et l'autre à Lattes, actuel port Ariane. Ce qui fait de Montpellier une étape essentielle dans le commerce des épices dans le royaume français, avec une connaissance des plantes et épices venant d'Orient, d'Extrême-Orient et parfois même d'Afrique. Montpellier fait partie de la zone libre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais devient peu à peu soumise par la collaboration du régime allemand. C'est en 1941 que le maréchal Pétain rencontre le général Franco dans la ville. Elle est connue pour être un centre de résistance important, avec l'exemple de Jean Moulin et dont le portrait photographique est réalisé devant un pilier de l'aqueduc des Arceaux. Parlons maintenant du patrimoine. Montpellier possède 106 édifices classés ou inscrits aux monuments historiques, c'est-à-dire 19% des monuments historiques du département. C'est pourquoi nous allons donner que 5 exemples, parce que 106, ça va faire très long. Commençons par parler de la basilique Notre-Dame-des-Tables. Située en plein cœur de la ville, elle est l'église mère de la ville. Les travaux débutent en 1707 sous l'architecte Jean Giral et se terminent en 1748. La chapelle devient église paroissiale en 1802 sous le nom de Notre-Dame-des-Tables. L'église primitive se situait sous l'actuelle place Jean Jaurès entre 1090 et 1794. Il ne reste que les vestiges de la crypte et des caveaux, aujourd'hui transformés en musée, le musée du Vieux-Montpellier. Elle se trouvait sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, où les changeurs dressaient leurs tables et les marchands leurs étals, d'où le nom de Notre-Dame-des-Tables. C'est en 1938 que l'église est inscrite au titre des monuments historiques. Ensuite, parlons de la place de la Comédie qui date de 1755. Elle est réaménagée après l'incendie du théâtre de 1881 et devient le lieu central de la ville. Son nom vient du théâtre municipal, agrémenté de la fontaine des Trois Grâces. La place est surnommée Place de l'œuf en raison du motif dessiné au sol. Parlons de l'aqueduc des Arceaux ou l'aqueduc Saint-Clément. Construit au XVIIIe siècle par Henri Pilot de Launay, et c'est l'un des monuments les plus importants de la ville. Inspiré du pont du Gard,
Il a permis l'arrivée de l'eau potable depuis la source du Boulidou, puis par celle du Lay, située à Saint-Clément-de-Rivière. Il permettait d'apporter 25 litres par seconde à la ville. Vers la fin du XXe siècle, il est détruit dans la quasi-totalité à la suite de l'implantation d'une usine souterraine produisant 2000 litres d'eau par seconde et sur toute l'année. Pour finir, je vous présente la Porte du Pérou, ou Arc de Triomphe de Montpellier. Elle est construite vers la fin du XVIIe siècle par Augustin Charles d'Avillet. Elle aborde la place royale du Pérou, où sur cette place se trouve la statue équestre de Louis XIV et un château d'eau conçu au XVIIIe siècle. Cette esplanade surplombe la ville de 50 mètres carrés et offre une superbe vue sur le nord et ouest de la ville, avec en arrière-plan les premiers reliefs du Cévenol et dont le pic Saint-Loup. La commune possède donc un patrimoine naturel remarquable, un site Natura 2000 avec le Lay et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Pour conclure, parlons des spécialités montpelliéraines. Le vin épicé, très courant durant le Moyen-Âge, dont un couple de vignerons de Villeneuve-les-Maguelones aurait redécouvert dans les archives une recette composée pour le roi d'Angleterre, Henri III, et l'aurait remise au goût du jour. Ce vin s'appelle Garryophyllatum, signifiant « clou de girofle ». Ensuite, les grisettes de Montpellier, qui sont des bonbons en forme de petits pois, fabriqués à partir de deux spécialités du Languedoc, le miel de Narbonne, réputé au XIIIe siècle, et la réglisse, spécialité de la ville de Montpellier dès le XVIIIe. Il y a aussi les escalettes de Montpellier, qui sont des biscuits ovales, une variante des gaufres. La tradition s'est maintenue à Coumont-Terral. Enfin, pour finir sur le beurre de Montpellier, qui est une préparation bien connue des cuisiniers, accompagnant à merveille les poissons. Montpellier a obtenu le label de pays et ville d'art d'histoire en 2019. N'hésite pas à mettre un j'aime et un commentaire si la vidéo t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures.